Yo? Bonjour à tous. Bienvenue dans la Camarilla. Donc bienvenue sur ce live découverte de Vampire The Masquerade Bloodhunt. C'est un BR dans l'univers de Vampire La Masquerade. On a le choix entre, pardon, la brute qui fait un saut en flèche grâce à son pouvoir. Courage véritable. Qu'est-ce que ça fait ça? La moitié de sa santé quand il ne subit pas de dégâts. Ouais. D'accord, vous voyez en bas sa barre de santé. Non, c'est peut-être le coup de... Ah non, c'était la barre de la vidéo. Et le coup de poing onde de choc. Qui... Ouais. Ouais. Ceci est la brute. Pardon. Donc, ça marche par clan. Vous voyez, eux deux font partie du clan. Marqué. Ouais, c'est le... Ah, c'est écrit tout en haut. Au-dessus de Vandal. C'est les Broodja, ceux-là. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, dans Vampire la Mascarade, qui est un jeu de rôle plateau, enfin, comme... Je peux pas vous dire comme quoi, parce que j'ai pas... C'est du genre de c'est du des sortes de GN plateau que enfin GN c'est grandeur nature genre en font des soirées où ton vampire tu peux le garder sur plusieurs franchement tu peux le garder même 10 ans en vrai hein, des vrais 10 ans et continuer à jouer toutes les semaines tous les mois avec des gens pendant 10 ans. Faire évoluer l'histoire et garder toujours. Donc, dans ces familles, il y en a plusieurs. Normalement, je sais plus. Avoir 6 ou 7, je crois. Peut-être même plus. Et là, ils ont pas tout mis. Ils ont mis les Broodja. Ils ont mis les Nosferatu. Qui, bon, Nosferatu, qu'est-ce qu'il fait, lui? Attendez, on va remettre le game. Donc lui il fait un flèche. Ah d'accord, c'est spécifique à la classe. La classe des Broodja, ils font le saut. Puis poussière d'adrénaline. Est-ce que c'est bénéficier d'une résistance modérée aux dégâts à proximité d'ennemis. D'accord, c'est une sorte de buff. Et choc terrestre. D'accord. Oui, c'est comme son copain, sauf que lui. Donc, Nosferatu. Quand tu vois sa gueule, forcément, va te faire voir. Donc, là, ils ont la disparition. Ouais, d'accord, ouais, une sorte de dash.
Passage d'un détecté. Ah oui, ça c'est ça. Quand il se met accroupi, il devient invisible. Enfin, invisible. Transparent, on va dire. Et la bombe. D'accord. Et la bombe lance une bombe qui explose et libère un gaz toxique à l'approche de l'ennemi. Donc c'est pour poisonner, ouais. Donc, avion la brute, vandale, saboteur. On va passer au rôdeur. Donc disparition pareille. Sens de la bête. Les ennemis gravement blessés laissent une traînée de sang. Quel leur mouvement récent. Ah, c'est intéressant ça dans un fight. Si tu tires, machin, tu blesses l'ennemi, tu te caches. En fait, tu vois si le mec il dit vas-y, bah, go se barrer. Tu vois où il est. Le familier superviseur déployer des chauves-souris pour exploser une zone dévoilant temporairement les ennemis à travers les murs. Ça, c'est comme dans. Je crois qu'il y a un mec qui fait ça dans Apex. Il fait une sorte d'onde de choc ou dans Valorant. Une sorte d'onde de choc et tu vois les gens à travers. Voyons ce que ça donne. D'accord, ouais. Il y a le Wallag et tout, d'accord. Ouais. Classe que j'aime pas. Enfin. Faut aimer, mais non. Et il y a les toréadors. Famille que c'est une des familles, je dirais même c'est la famille que je préfère le mieux dans que je préfère dans les dans Vampire à la Mascarade. Donc la sirène, les sirènes sont toujours à l'affût d'une opportunité d'aveugler leurs ennemis à la vue de leur beauté. Donc on a une sorte de TP pour le pouvoir de Toréador. L'envoûtement vampirique. Les civils à proximité sont envoûtés et sont donc temporairement amicaux envers vous et votre équipe. Ah oui, chose que j'ai pas précisé dans ce jeu. Tu te fais tirer dessus. Tu perds de la santé, tu tues un gars, ou tu le tues pas, tu arrives à te sauver. Comment remettre ta santé? Eh ben, il faut sucer. Tu suces des gens qui sont dans la ville, des PNJ. Sauf que, quand tu te fais griller, normalement, quand tu suces quelqu'un et que un autre individu te voit, de toute façon, je vais vous l'expliquer en jouant. Il crie, enfin, il te détecte, machin, et donc après, sur la minimap, tu as été détecté par tout le monde. Et là, grâce à ce pouvoir, tu enchantes les gens autour. Ça fait que quand tu suces, eux, ils disent, ouais, non, c'est normal, quoi. En train de se bécoter. Ça, c'est cool. Et le dernier, c'est beauté aveuglante. Prend progressivement une apparence pour beauté aveuglante et des dégâts à tous les ennemis proches. D'accord, c'est un grenade flash. Nous avons la muse. Si un allié montre des signes de faiblesse, la muse vole à son secours et incite à reprendre le combat dans son champ envoûtant. Ça, c'est le healer du jeu. Ah, c'est le healer des. C'est un healer. Regardez bien. Déjà, on a ça. Réinitialise instantanément vos récupérations et permet l'utilisation de pouvoirs même à terre. Donc, quand tu es par terre.
pas compris. Ah oui. Déjà, t'es par terre. Tu peux te TP. Et en fait, tu remets tes. Remets tes pou... Tu peux remettre tes pouvoirs. Et ça, c'est. Ça, c'est le soin. En fait, tu mets une sorte d'onde, zone de soin autour de toi. Et tu soignes toi et tes amis. Canaliser pour un état régénératif. Soigne vous et vos alliés proches en canalisant subir des dégâts. Vous utilisez le pouvoir, interrompt l'état. Donc, en gros, vous vous retrouvez dans un fight. Tu vois que tes ennemis, tes amis commencent à prendre cher. Tu te caches à côté d'eux. Tu déclenches ça. Eux sont soignés. Et en même temps, ils peuvent rester dans le combat. Et toi, tu soignes tout le monde. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Pas mal. On a de flash. Prendre la muse. On va tester la muse. Par contre, est-ce que on peut. Normalement, on peut personnaliser son personnage. Donc je me dis, est-ce que je peux. World of Darkness. Alors, je vois sur mon retour qu'en fait j'ai monté la luminosité de dans le jeu, donc ça l'a bien monté sur le retour. Donc pour vous, vous voyez bien. Pour moi, ça reste encore un peu sombre, mais je sais pas si c'est trop clair. On verra bien. On verra bien. Et pour l'instant, oui, c'est le jeu est so et le jeu est sorti, mais il est sorti en accès anticipé. Mais inquiétez pas. Donc oui, normalement on peut. Je crois qu'on peut changer l'apparence de ces persos. Alors, accès anticipé commence. Descendant, notre odyssée continue avec le lancement de l'accès anticipé. Rejoignez-nous pour tester les nouvelles fonctionnalités du jeu et les serveurs. Test réseau du 7 au 13, maintenance le 14, reprise de l'activité des serveurs 15 septembre. D'accord, donc là je vais le tester du 7 au 13 et le jeu reprend le 15. Ouais, donc c'est cool. Alors, nous sommes heureux d'avoir votre avis, conseil pour améliorer notre jeu. Dites-nous ce que vous en pensez en rejoignant le serveur Discord officiel de Bloodhunt. Nous espérons que vous aimerez et attendons vos commentaires. Rendez-vous à la nuit. Non, j'allais cliquer sur aller sur le Discord, ben non. Ah là. D'accord. Il y a un truc bizarre. Ça fait les images. On va le faire. Donc, il y a le système. On va tout regarder. Hein. On va checker tout ça. Ah, attends, si je fais ça. Ah non, c'est pas nous là, d'accord. Voilà. Donc,
Ça, c'est quoi? C'est de la cosmétique. Avons le pass de bas, comme tous les BR, hein. Gratuit. D'accord. C'est quoi? Phase de saison déverrouillée. D'accord. Récompense de niveau abandon. Bref. Les emotes. Ah non, tout n'est pas gratuit. Ça, c'est gratuit. Ça, c'est pas gratuit. Récupère au niveau 2. Les jetons, ça doit être la monnaie in-game. Camouflage de sang. Pelé, encore une botte. Oh, vas-y, danse. Ah d'accord, mais on pourrait mettre un délai un boosté. Ajuster. Je regarde vite fait hein, les formations. Ah ouais, c'est le corps qui est et shirt squelette. Quoi? Tenue tous les jours. Eh? Ouh! C'est bien pour les Nosferatu. Et les pièces. Pas grave. Ça, pour les gens qui aiment, je sais qu'il y a des gens qui aiment. Ouais, basique, hein. Je veux dire. Beige. Dans le nez. D'accord. Sur tout le corps. Ok. Surveillance. Ah. Alors, d'après le, je crois que c'est d'après le lore du jeu là. Normalement, la Camarilla, c'est comme une. C'est comme une sorte de mafia en fait. Tu peux pas buter qui tu veux. Il faut que tu demandes au gros ponte t'as le droit de tirer, t'as le droit de tuer un tel ou un tel. Je crois que là, il y a une sorte de. Sorte de bordel en fait. Qui. Je sais pas, les mecs sont. Les mecs sont partis en. De cheveux noir ouais, maquillage tenue
Je regarde tout, hein, comme ça au moins. Dans le maquillage. Ouais, le blouson squelette. T-shirt Les lunettes. La rose des sables. De rose. Et donc la boutique. La boutique. Alors, bon ça je vous l'aimais, hein. D'accord. Ça, c'est avec du vrai argent. Pas. Non, en haut, vous voyez, en haut à droite, il n'y a qu'une seule monnaie. J'ai pas l'impression qu'il y ait plusieurs. Soit tu peux acheter avec de l'argent, soit tu peux gagner en faisant des. Personnalisation. Tenue. Moi je vois un garçon. Tête. Bon pour l'instant, il n'y en a pas énormément, ça va venir. Après, on va débloquer des coupes. Ouais, superbe. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, dame? J'ai l'impression que le jeu s'est lancé. Alors que je voulais pas. Mes respects. Ah non. D'accord, il y a eu un petit souci. Alors, on retourne. Personne. Avoir des cheveux. Je faisais un coup.
Non, je vais pas en mettre parce que vous voyez-vous, on débute, je suis un jeune vent. Donc, je suis un jeune vampire, on va dire. Cal. Pas barbe de... va laisser comme ça. Ça, c'est la classe. Ça, c'est quoi? Ça, ah voilà. Là, il y a les défis. Donc les défis quotidiens. Qu'est-ce qu'on doit faire? Toucher des cibles avec n'importe quelle arme de corps à corps. Vendu. Jouer des parties pour un clan spécifique Toréador. Ah, c'est là ou pas? Et suivre pour une durée déterminée. Quoi, survivre? Durée déterminée. Peut-être 10 minutes. Saisonnier. Qu'est-ce que nous avons? Jouer des parties pour un clan spécifique, Brugia. Toréador, il faut en jouer deux, donc. Absorber le sang des mortels avec une résonance. Toucher les cibles. Toucher des parties. Jouer des parties pour un clan spécifique, ne fera plus. Commettre de diablerie sur les joueurs. Infliger des dégâts aux joueurs. Passer au classement. Oh là 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 là. On demandait trop là. Le journal. Personnel. Arc. Ouais, donc il y a tout un lore plus tard qui va se déployer. Peut-être on en trouve. En fait, dans ce jeu, dans le jeu, vous avez les PNJ, vous pouvez manger. Vous avez les joueurs que vous devez tuer et vous avez comment ils s'appellent eux? L'entité, je crois, ou un truc comme ça. C'est des une sorte de truc paramilitaire, une sorte de chasseur de vampires, quoi. Des objets récupérables. D'accord, il y a des objets récupérables. Confession écarlate. Partie avant l'aube. D'accord. Conversation. Des blocs. Ça va être cool, ça. Des objets. Donc, ça doit être les armes. Donc, vous voyez, il y a arbalète. Arbalète double. Double canon, fusil d'assaut, fusil de précision, fusil sniper, fusil à pompe semi-auto, fusil à rafale, mitraillette silencieuse, mitrailleuse bimode, mitrailleuse légère, pistolet automatique, pistolet double, revolver, sulfateuse. Attendez. Pour les armes à distance, corps à corps, nous avons la batte à pointe, la hache à incendie, le katana, lame du fléau. Objets consommables. Les armures, les couteaux d'arbalète, les cartouches à fusil à pompe, donc. Les artefacts, il y a octaèdre. Qu'est-ce que c'est? Octaèdre. On verra bien. Les lieux. L'homme, ouais, le déplaisir. Bon, ouais, il y a tous les trucs verrouillés, le cimetière, ça c'est les. De la map histoire si vous voulez si vous voyez le baiser mascarade la mort ultime la tradition l'étreinte ah oui voilà l'étreinte l'étreinte c'est quand quelqu'un c'est quand un vampire transforme un humain en vampire ça s'appelle l'étreinte et par contre je crois qu'il y a des règles
Tu ne peux pas transformer qui tu veux. Tu demandes des autorisations, des trucs comme ça. Et si par exemple un vampire transforme quelqu'un et qui n'a pas le droit, j'ai déjà vu, tue le vampire et après il décide s'il te laisse vivre ou pas. Vidéo d'entraînement. Fondamentaux de survie. Ouais, faut mettre un bouclier, machin. Traverser. Regardez ça. Actualité, donc et ouais, égal, donc ça c'est tout. Messieurs, dames, alors, donc, tout est. Et on peut faire ça, on peut sprinter. T. Ah. D'accord, je débloque. Et on va y aller. de ce combat dépend ta survie. Si tu veux survivre à la nuit, tu dois t'équiper. Garde une longueur d'avance sur le gaz rouge qui se referme sur toi. Engage le combat avec l'entité. Voilà, vous voyez, c'est eux l'entité. Par contre, eux, si on Toi les de bute, sang résonnant pour et donc voilà, avoir vous avez puissance. des humains qui donnent des buffs. Mais ne De brise toute façon, pas la on mascarade. verra tout ça pendant la partie. Du moins, si tu veux éviter d'être la cible d'une chasse au sang, tu vas avoir besoin de tous les avantages. De talent, de ruse, et aussi d'un peu de chance pour remporter la Ça, c'est une victoire. exécution. En fait, c'est pas ça. Ah si, ça y est, j'ai appuyé sur. Pour l'instant, la map qu'il y a, c'est. Désolé, c'était un pire, mais. Vu que ça n'est. Tout de suite. Je ne suis pas un professionnel du BR. Je ne suis pas le French. Pour Fortnite, j'ai joué à Fortnite, j'ai réussi à faire des top 1, mais j'étais plus en mode je me cache jusqu'au dernier moment. Donc voici la map. Et je dois décider où je veux m'installer. Ah merde, il y a déjà des mecs autour. Vous voyez, il y a des petits points rouges qui sont apparus. Bon bah tant pis. Ouh! Vous avez vu tous les petits points rouges, c'est des ennemis.
Let's go. Bonne chance à moi. Donc oui, après on va débloquer là. L'orbiteur se décor. J'ai même pas de titre. Pas grave. Non, il est jouable là. À 3 je crois. Oh non. Ça va pas le faire. Attendez. Peut-être mourir, c'est pas grave. La vie. Gameplay, non. Configuration. Ah. Pas le mettre sur quoi. La map force. C'est bon. Où merde, j'ai perdu. J'ai vu. Côte. Et. Merde, j'ai encore un autre truc. Mais c'est quoi ça? Pourquoi ils ont mis tout ensemble? Dead. Forward. King Enemy. Oh putain. Voilà. Je pille les ennemis, je pille pas les armes. Non, mais... Attendez, je vais quitter la session, je vais fermer les touches parce que là. Une horreur. C'est quoi ce délire? Bonsoir. Hein? Elle fait plus là. Allez, il n'y a que ça.
Ça glisse pas mal. Ah ouais, ça fait vachement éclairer chez vous. Ah, en même temps, je vais le laisser, on verra bien. Pour la première vidéo, je vais le laisser éclairer. Pour voir si vous pouvez, si ça vous permet de bien voir, en fait. Dans les commentaires. Quelle question? Là-bas, il y avait un mec, tu l'as même pas. On joue. Peur, mais voilà. Abattoir. Et là, c'est tous les points rouges qui peuvent y apparaître, c'est les. Et là, ils mettent les points. Et là, vous voyez tous les ennemis. Là. Oui, vous allez me dire. Bien sûr. C'est vrai que j'aurais dû faire ça. Pardon. J'aurais dû faire ça en fait. La muse, je devrais le prendre quand je suis en équipe. Et je devrais prendre le reine quand je suis. J'y avais pensé. Le fait que vous me le dites. Alors, c'est long, là. Ah oui, ils sont. Allez. Salutations. Ils m'ont remis là. Et ça me le refait. C'est une horreur. Ça, c'est les choses qu'il faut pas faire parce que là, je suis grillé sur toute la map. Vais faire un truc vite fait. Tu fais?
pour ça. Shift. Comment on fait pour passer de QWERTY à AZERTY? C'est pas je vais péter un plomb, hein. Voilà, j'ai trouvé une autre solution et ça va me briser les noisettes. Et voilà, j'ai dû jouer à la manette, ça me brise les reins. Bordel partout. Ah ça. De l'air. Bref. Je ne peux pas jouer. Bien. Prenez soin de vous. Voilà, ça me rend par contre. Pas jouer. Ça. Oh ben non. Ah
Je le donne direct. Messieurs, dames, on y retourne. J'espère que ça va être réglé. J'espère que c'est réglé. Bonjour à tous ceux qui arrivent. J'espère que ce sera réglé parce que là, ça me prend la tête. C'est quoi ? Je suis content que ce BR vienne sortir. Je lance le BR. Et je ne peux pas BR parce que... les touches, malgré que j'ai réglé mes touches, quand j'avance, bah, ça fait n'importe quoi. Donc on va bien voir. Oh. Allez, il faut que ça marche. Ça marche. J'ai envie de d'essayer de tuer. Je me remets à l'abattoir. Je sais pas pourquoi, mais... Mais... Hein ? D'abord, je choisis l'abattoir. Depuis tout à l'heure, je... J'arrive pas à passer mon clavier de AZERTY, de QWERTY à AZERTY. Allez, prends le même bonhomme. Et on y va. Alors, je fasse ça. Je sais pas pour l'apparence. Je vais mettre la même. Ah ouais, mais... Oh, mais si. Ouais. Celui-là, comme je dis, c'est bien pour le multi. Quand tu joues à plusieurs, parce que lui, il soigne en fait. Et me soigner tout ça, quoique je... On partait. Allez, s'il vous plaît, que du sang, lancez la partie. Et laissez-moi jouer. C'est le début en plus. C'est ça qui... C'est le début du jeu. Il y a moyen que je fasse top 1. Personne ne connaît vraiment le jeu, enfin, à part ceux qui... C'était l'alpha, la bêta, et ceux qui ont sucé tous les lives de tous ceux qui ont participé à l'alpha, la bêta. Et là, il y avait juste tout à l'heure, il y avait juste des guns, j'avais ma mitrailleuse, j'ai rafalé, pas du rafalé, il est pas mort. Chaud. Ah non. Non, dis-moi pas qui s'est calibré sur... Ah non.
même pas marqué. Le problème, c'est que quand je... Ah non, je cherche le mauvais truc. Aide. Voilà. Ah voilà, c'est bon. Madame, on est parti. Après, je ne sais combien de temps. J'aime pas le pont. Test, hein. Je voulais savoir. Donc ceci est notre champ de bataille. La ville de Prague. Apparemment, pas de dégâts dessus. Non, c'est la TP ça. Attends, je vais pas trop. Ah, j'ai cru qu'il avait pris du.
bien fait parce qu'il y a des intérieurs, mais on peut pas y aller. Oh, je le sens. Ah, il y a des poches de sang, donc on n'est pas obligé de fouiller les yeux. J'ai une violette. Toujours pas de... Dans les deux fins. Il reste combien? Il reste 8 personnes. Là il y a un souci. Ah, il m'a pris dans le dos, c'est pas grave. Il y a un souci. Il y a un souci. Il y a, me... il y a ma manette qui vibre. Et ça c'est pas bien. Ouais, mais j'avais pas de bouclier. Lui il en a un, vous voyez. En bas, vous voyez sa barre de vie qui est blanche, et donc vous voyez son petit bouclier qui est bleu là. Donc, et faut que je regarde, là, faut que je retourne dans les paramètres. Désolé. Ouais, il faut que j'enlève les vibrations. Parce que sinon, chaque fois que je vais tirer ou quoi. Bonjour. Alors. Là-bas. Manette. Ah, attends. Et la caméra. Faut
pas qu'on peut pas. Faudrait que je le mette quelque part. Là, je peux pas le mettre. Je vais la mettre par terre. C'est parti. Qu'est-ce que je dois faire là? Toucher une cible. Je dois toucher 5 cibles. J'ai touché 0 cible. Non, d'accord. Ah ouais, chez vous, c'est vachement. Puissent nos chemins se croiser à nouveau. Il y avait quelqu'un. Apparemment, il y a des PNJ à qui on peut parler. C'est vrai qu'on aille voir ça. Juste après. Alors, cette fois-ci, j'ai bien survécu. Et comme vous le voyez, je suis nul. Et s'il y a un BR que j'ai envie de m'investir, m'investir. Faire que ce jeu là, mais il y a un BR que je dois jouer. Ouais, en attendant de jouer à parce qu'en fait, j'ai un pote qui je suis fan de Battlefield, pardon, et ouais, je vais mettre là-haut. Pas... Bref. Ah, il y a trop de monde. Y a pas vraiment d'endroit safe. Voilà. Allez. Parce que là en fait j'ai le entre guillemets j'ai le stress du live quand j'ai envie de jouer enfin, je joue et voilà tout. Un mec du pain. Ah mais le mec il m'avait déjà eu. J'ai pas eu le temps de prendre d'armes, le mec était juste à côté de moi et lui il avait une arme juste devant. Bonsoir à vous. Alors, voyons. Gardien de l'Elysium. Qu'est-ce qu'il veut ? Bien le bonsoir. Pas vous, je m'appelle. Tu gardes l'Elysium. Et. Accueillir mieux que cela. Et nous aider et voir quelqu'un derrière moi probablement envoyé du noir. J'ai entendu dire que nous avons failli d'accord avec les anarchies. Ah, les anarches, ouais. Cependant, leur trahison d'accord, donc apparemment. Le balcon. Ah, oh. Alors, par contre, va vite me. Qui va bien me faire chier, mais.
Les voisins. Les voisins. Acheter une. Que là. Rien de bien méchant, vous allez me dire. Sauf que. Le marchand. Et leur a vendu un stock. Vous allez me dire. Non mais attends. Un coq. Sauf que là c'était des poussins. Toi. Forcément. Ouais, il s'est transformé en. Attends, il fait chier. Ça s'écrit. Périph du domaine. Et voilà. Oh. Attendez. Ce délire là. Je peux parler à Chris. Quoi? Bon, ah, super, il m'a dit un truc, j'ai... Allô? Ravi de vous revoir. Quelle belle surprise. Veuillez vous présenter à Chris. C'est quoi ces conneries? La Krill. Dans la Krill. Oui. Jak to jde? Dobrý den. Parlez. Bon. Hein? Dis adieu. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une seule map. Je pense qu'ils sont en train de travailler sur plusieurs. Ça fait un moment qu'ils bossaient. Les premières vidéos, les premières alpha, bêta, c'était sur ça. C'était sur Prague. Donc ils sont en train de travailler sur d'autres. Sur d'autres villes ou. D'autres. D'autres maps, quoi. Après, est-ce que ça se passe. Dans le pays? À Prague. Où? Tu fais quoi? On va se remettre à l'abattoir. Là-haut, ça m'avait. Ils disent à l'abattoir. Butin supérieur. Ah oui, mais c'est parce que je me mets dans des endroits où il y a butin supérieur. D'accord. Ça... Pas pu changer. Ah d'accord, ouais. Je vois. Bon, en même temps, il y a du monde partout. Il faut y aller petit par petit. Objectif. Là, on avait eu des problèmes avec le clavier et tout ça. Là, on a fait la partie, on a découvert un peu les villes, on voit comment c'était, machin. L'objectif de là, c'est de tuer quelqu'un.
Ah, j'ai pas pu me barrer. Oh bon bah l'objectif c'est... En fait, ça fait un petit moment que j'ai pas tâté du BR, donc j'ai bon retour parmi nous. J'ai plus de vie. Est-ce que je suis le pire joueur de BR? Oh. C'est possible. Ouais, dans ma réflexion. Non, c'est con, hein, c'est tiens. Bon, je peux faire. Merde. Oh, j'ai fait mon premier kill.
contre, monsieur dame, le premier kill est là. Hop, bim, pour patte. J'avais pas d'armes. Je me suis trompé en plus, je crois que j'ai changé mon... J'ai changé mon... J'ai changé mon fusil à pompe contre une arbalète. Donc la personne avait ça. Donc. Ah ouais, ça c'est le E. Ça c'est mon passif. Et donc ça c'est mon... D'accord. On est reparti. On est reparti. C'est ma première vidéo, hein, donc la découverte, hein, comme vous voyez dans le... Comme vous voyez dans le titre. C'est de la découverte, je découvre.
faire, je serai fort. En fait, je vais toujours rester nul. Parie plus sur la deuxième, mais bon. Après, je trouve des mecs, une équipe qui me carry. Là. Mais faut que je me relance dans le BR, en fait. Ah, faut que je me prenne. Là-haut. On va tenter la sirène. Manger tranquille. On va lancer une flash. Après, j'aime pas. Il faut clairement avouer que ça m'a eu. Il y a un vampire. Non, non, mais non, pas ça. Une calache. Ah d'accord, je me disais merde, elle a l'air spéciale mais non. Oui, je claque mon truc un peu. Et deux. J'apprendrai à lui. Là pour l'instant, effectif.
c'est... Non, oh, ma cam. Alors, gardons vite fait. Si c'est worse de... Ah oui, donc vous voyez... Vous voyez en bas en dessous de ma barre de vie, j'avais les 4 pouvoirs en fait. Les 4 pouvoirs que je. Enfin, 4 pouvoirs que. Non, 4 passifs. Quand on mange des. Quand. On se nourrit. Être un peu. Gamin. Oh non. Moi je me trouve. Ah vous avez eu. Ah non, d'accord. C'est pas là. Quelqu'un qui a vu.
l'ai fait exprès. Hein. Merde. Ah! Réduire ça.
J'ai paniqué. J'ai clairement paniqué. Parce que quand je suis monté sur le toit, je m'attendais pas à le voir. Oh, le mec qui a sauté dans la trappe. Oui. Ah là 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 là. Oh, mais là-bas, elle est grande comment? Ah oui, d'accord. Ah bah ça y est, je passe niveau 2. Je vais le tuer. Ouf. Alors. Ça. À bientôt. Ah, l'octaèdre. Il y a un truc que je comprends pas. Chez les coqs. Je pense qu'on sait faire cocorico quand il fait jour. Et après, tu le fais au matin, cocorico, machin, et puis après, c'est bon, tu l'as fait. Ah, c'est où? Quoi? Erreur de connexion? Aïe! Ouais! Allez, pour une heure de game, et on arrêtera là. Enfin, j'arrêterai là le live, mais je vais sûrement le faire de mon côté. Je m'entraîne. On va se mettre entre l'abattoir et le port. Bon, après, ils ont mis des pings un peu définis, hein, parce que... C'est pas là que j'ai pingé bien. Purée, il y a des. Ouais, de toute façon, il y a des. Je sais pas si je le garde. Sirène. Non, je vais faire ça. Je vais faire sirène quand je suis tout seul et. Je vais tester ça de mon côté, mais je suis sûr que Muse, je vais y revenir. C'est quoi, c'est soigné? Ouais, non, c'est bien content. Ouais, vous aviez raison. Allez en arrière, il y a des. Mmh.
de l'ambulance. Je vais voir pour les méchants. Vous savez, je vous avais parlé des méchants. Les méchants. Messieurs, dames, c'est un vampire, l'autre tue. Premium uniquement, d'accord. Bon. D'accord, donc le battle pass est divisé. Par tout de suite, hein. On va pas rester sur une défaite. Enfin, si. On... Ah non, je... Mais là, on vient à peine de commencer, je ramasse des armes, un bouclier, je suis dans l'eau. Ouais, peut-être que je monte la luminosité de ma télé. Là, en fait, chez vous, c'est bien lumineux. Je vais peut-être baisser, tiens. Non, attends, je vais finir et je... Ah d'accord. Je me dis zut. Il y a en bas de mon écran, il y a pas de là mais deuxième écran. Je me dis merde, il y a des icônes que il y a une icône que je reconnais pas. C'est quoi? En fait, j'ai pas vu mais de loin parce que mon écran est assez loin. Il est noir, enfin mon écran est noir. Et il y avait une mouche qui se promenait sur un de mes logos. C'est bien pour une femme ça. Femme vampire, ça fait bien. Bon. Propose quoi? Des armes. Ah oh non, c'est long. Ah oh, des armes. C'est parti.
Bonjour madame. Ah oui, d'accord, c'est eux en fait. C'est eux les méchants. Ah oui, puis on. C'est vrai, j'avais oublié ça. Si on arrive à survivre, on peut se barrer. J'avais oublié. Le mec il rigole pas. Hein. Je les ai pas vus. Il y a un mec qui m'a tiré dessus. Je suis tombé dans. J'aurais dû tirer. J'aurais dû tirer avant. J'aurais dû tirer quand il est arrivé. J'ai pas encore les réflexes. Bonsoir à vous. Ah oui. Et...
J'espère que c'est pas trop. Ah ouais. On va mettre. Oh! Est-ce que c'est. Ah non, 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 non. On va le voir sur le retour comment c'est allumé. Élie? Regarde. Je peux remettre. Hein. Ah non, mais chez vous, c'est. Peut-être la moitié. Pas du tout. Ah, c'est là. Ah. Et bon, bref. Ah, donc c'est le ton, ils vont donner.
Ils ne me disent pas. On verra bien. Hein. Jetons, s'ils m'en donnent 200. S'ils m'en donnent 2. Ou 1. Ah, je dirais ah oui, quand même. Le jeu, il est gratuit, mais bon. Bien qu'il se fasse de la thune quelque part. Oui, parce que le jeu est... De toute façon, moi je joue qu'à des BR free to play. Parce que je me dis, déjà un BR c'est. Ça te prend du temps. Si au moment tu lâches et tout ça, bah voilà, t'as dépensé. Acheter. Où est-ce qu'on va aller? Ah là, abattoir. On va aller là. Je sais pas pourquoi j'ai envie. Pardon, c'est vrai que les gens ils vont là où c'est écrit butin supérieur parce que forcément si t'arrives à avoir des armes. Une arme violette ou une arme. Oui. Un mec qui a une arme bleue ou une arme verte. Pas grave. Ouais, c'est le truc de luminosité ouais, pour mon retour c'est vachement pareil à jeu. J'ai augmenté la luminosité, c'est peut-être de... Dans les jeux ils me disent ouais luminosité elle est comment, je dis hop je monte un peu ouais, c'est bon. Et je me dis pas pour vous. Regardez. Allez. Et regardez, c'est trop bien fait, c'est des humains. On les met dedans, on met un câble et on les... Évite de tout juste. Ok, ok, j'ai fait tout court alors. Vite fait, map, tout.
Yo. Bon, j'ai envie de dire en vert bleu. Mais... C'est bleu vert. Et quoi, je vais tenter ça. Enfin, pour aujourd'hui. T'es con, hein, c'est la vie, hein. On est que 15. Enfin, il reste que 15. Au corps à corps. C'est quoi ça? Yeah. Ah, je sais même pas si c'est bleu vert ou si c'est... la zone.
pas vu ça. Seringue de jus, d'accord. Et petite dose. Ça. Récupérer objet récupérable. Et combien? Et 9. La map. J'ai voulu tenter un tri. Alors, bon, on est plus que 6. Bien. Mec pour venir me chercher là quoi. On n'est plus que 5 et on est tous. C'est ça. Bon, moi je suis un planqué de base. Et tu me dirais oui. C'est vrai. Comme je suis nul au snipe. De toute façon, le premier qui tire. Qui fout la merde dans. Il marche sur une voiture parce que. Avec un. Dessus, ça fait une alarme. Et tu as. Quelqu'un qui croque quelqu'un devant. Direction la nouvelle zone. C'est où la zone? Oh bien. Mec, il y a un mec qui s'est fait griller en fait.
Oh le bâtard m'a tué. Ah non, j'ai fait top 2. Je suis dégoûté, j'avais une arme pour lui aussi. Je suis dégoûté, je m'a joué. Allez, une petite, encore une petite. Bien le bonsoir. Hein, j'ai envie de vous dire, pas qu'une petite, même plusieurs. Parce que je suis pas du genre à... J'avais un fusil à pompe, mais il était... Je sais pas c'est quoi les couleurs, est-ce que c'est vert, bleu? C'est bleu, non. C'est bleu, vert, violet... Enfin, s'il y a du violet. C'est bleu, vert ou vert, bleu? Je pense qu'il y avait une meilleure arme. Et croyez que le mec, qui... je suis sûr que quand il l'a tapé, le mec qui était en bas, je croyais que c'était le... Il pensait qu'il restait que deux. Alors, mettre abattoir. On verra bien, à droite et à gauche, il y a du... En fait, j'ai une souris avec sous et je pense que je vais le mettre mes sorts dessus. Ah non, je suis dégoûté, je vais...
Déçu, j'ai mal joué. Bon retour. Aïe. Je crois que c'est les mecs que je suis tombé dessus tout à l'heure. Ils ont dû. L'arbalète, ça a pas l'air. Silencieux. À tester, mais donc je sais pas si vous pas. Et je pense que ah, en fait j'espère que vous l'entendez pas, mais je j'ai envie de le prendre, balancer pour voir si. Ah, les mecs sont tous morts. Allez, victoire. Ok, on a fait top 2. Bon, j'ai croisé personne de la partie et débrouillé comme une dobe. Mais hein. Par contre, notre aveuglement, ça a l'air. C'est ça le truc.
Ah ouais, non, mais le mec, il avait déjà un... Ah, pas un stuff, mais... J'allais tomber sur la bonne arme. Oh là là, le katana. Je vais regarder vite, mais je sens qu'il est joué à l'arme. Ah, le mec, il a déjà... Il y a déjà un panier. À moins que c'est un dev qui défonce tout. Là, c'est en fait, j'ai déjà vu des. Mes respects. Comme. Comment on appelle Bon, allez, en fait. Comme Fortnite. Fortnite, il y a pas mal de. Qui vont en faire dedans. Qui te rapportent beaucoup d'XP. Et. Là, le niveau, il monte. Il monte pas vite. J'ai l'impression que. Au mérite quoi. Il y a des BR, j'ai déjà monté des passe et l'expérience monte assez vite en fait en faisant certains trucs et tout ça et alors je suis pas plus fort hein, mais... j'ai bloqué des et là je suis encore que niveau 2 hein. Parce que j'ai l'impression que bon, ça marche pas. Tu peux, t'as pas d'XP. C'est quoi, c'est la dernière? En plein milieu. Ah, en plein milieu. Je vais jouer. Après j'arrive, tac tac, je fais mes trucs. Hop, il est mort. J'en ai tué un quand même. Mine de rien. Tout à l'heure. J'ai fait un kill et une exécution. Avec de la chance. Quand j'ai tiré dessus hein, et j'ai sauté, j'ai tiré à goût. Avec mon fou. Et ou... J'ai bien touché alors que... Et il est mort. Je l'ai exécuté. Oui, et puis si vous n'aviez pas remarqué, hein, l'exécution permet de... La breuve de... Après, je savais pas que les vampires pouvaient... railler entre eux. Mais... Allez les gars, on se dit... Un peu long à remplir. Après ça dépend... Ça dépend là. Je suis mort en début de game.
Excusez-moi, hein, je parle pas beaucoup, j'étais con. Ah, fais chier. J'ai fait n'importe quoi. Bon, on va se laisser là. Bonsoir. En même temps, j'ai testé le sniper. Donc le. Enfin, voilà. C'est que même si on joue la troisième personne, c'est pas comme The Division ou comme. Fortnite, quand t'as un fusil lunette, tu regardes pas dans la lunette. Là, ou que c'est peut-être possible. Monsieur, dame, et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis très bientôt pour de belles aventures. Prenez soin de vous. Ciao les amis.